Et salut à tous les amis, aujourd'hui c'est Matisse, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour les sous-tilted. Donc construisez ce que je suis en train de faire, voilà. Tac. Il vous faudra un chariot. Donc là je vais aller chercher un chariot. Une fois que vous avez construit ce que je viens de faire, vous allez chercher un chariot. Donc là j'avais pas peur parce qu'il y a un mec de mon équipe qui se faisait buter. Peut-être que quand cette vidéo sortira, le glitch sera patché. Parce qu'ils ont enlevé les chariots, mais le glitch ne sera pas patché. D'après Zederka, ils remettront les chariots. Donc ce glitch existait déjà, mais c'était pas par cette entrée. Cette entrée est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à réussir, même si c'est compliqué. Donc maintenant, vous allez chercher votre chariot. Une fois que vous allez chercher votre chariot, vous allez le prendre déjà. Truc con. Voilà, bon là je me suis fait. Vous allez le mettre dans les construits. Pause. Donc là, vous allez vous diriger là. Voilà. Tac. Donc là, j'ai oublié un truc très important. C'est mettre une... du plat ou une rampe. Vous allez le voir tout de suite. Parce que là, je fais des constructs. Donc voilà, vous devez mettre du plat qui s'incruste dans la pierre. Sinon, quand vous allez faire glitch, soit vous allez vous prendre une idée de barrière, vous allez tomber dans le vide. Mais d'après certains glitchers, il faudrait mieux mettre une rampe à la place du plat. Ça marche mieux. Donc là, vous faites L1. Vous sortez du caddie. Tac. Comme vous pouvez voir, l'avant du caddie est rentré dans le mur. Et vous faites conduire. Faire ça, tac, vous êtes de l'autre côté. Sauf que là, le glitch n'a marché, je sais pas pourquoi, n'a pas marché. Je me suis pris une barrière et donc c'est pas grave. Je vais recommencer. Je crois que j'ai mis à peu près 28 parties pour y arriver. Donc, et moi je vous conseille de mettre quand même une rampe à la place du plat. Et donc, on fait ça en accéléré et on se retrouve juste après. Allez, à toutes! Et salut les amis, on se retrouve. Donc j'ai perdu le gameplay, je suis vraiment désolé. Encore un bug d'HDPVR, je pense que je vais le changer. Donc j'ai trouvé un espagnol qui le fait. Donc j'étais pas le premier à trouver ce passage. Et regardez bien. Donc merci à lui de m'avoir prêté sa vidéo. Je suis vraiment dégoûté de pas vous l'avoir fait. Genre c'est tout noir, ça a tout bugué, c'était dégueulasse. Et voilà, comme vous pouvez le voir, il est derrière. Donc lui, il a mis du plat. Donc voilà. Et salut à tous les amis, on se retrouve pour le glitch à Tomato. Alors ah oui, je vous ai oublié de dire, mais le glitch à Cheated, vous avez 90% de risque de ban si vous tuez quelqu'un. Donc voilà, construisez une rampe, voilà, vous voyez à peu près où ça se trouve dans le tunnel de Tomato. Vous construisez une rampe comme moi. Vous devez casser un peu le toit, comme je l'ai fait il y a 2 minutes.
Ce glitch est relativement simple et il marche aussi à Shifty dans la galerie que je n'ai pas pu vous montrer malheureusement. Donc tac, vous construisez. Donc là, moi, je vais faire mon pire Richard, je vais tomber de l'autre côté. Je suis vraiment une grosse merde. Voilà. Le pire, c'est que je vais me faire victime bolos encore une fois. Voilà. Donc, vous faites tac. Vraiment la grosse victime du bel art. Voilà, faut vous péter ça aussi de ce côté. Donc ça, c'est pas obligatoire, il y en a, ils le font sans même les rampes derrière. C'est vrai que ça met moins de temps. Voilà, grosse victime. Une fois que vous avez fait ça, tac, tac, voilà. Alors là, c'est relativement simple, c'était là. Au bout de deux coups, je l'ai fait. Alors franchement, c'est hyper simple. En fait, il faut que dès que vous arriviez en haut, vous faites L1. En fait, il faut pas être dès que vous arriviez en haut, juste un peu avant. Donc là, je vais me rater parce que je vais monter vraiment jusqu'en haut. Voilà. Il aurait fallu que je le fasse. Voilà, à cette hauteur-là. À peu près où j'ai fait le truc. Donc, dès que. Donc, il faut pas que vous touchiez. Il faut que vous fassiez un peu avant. Mettez L1. Vous allez voir, c'est très stylé. Tac. L1, juste avant que ça touche. Là, vous êtes là, vous mettez une plaque en bas, voilà, une plaque plate dessous vous, tac. Vous êtes dans le glitch, donc voilà, c'est un petit truc fun, même si on peut pas trop bien voir la carte. Et donc après, je vous laisse regarder le gameplay, je vous dis ciao tout le monde, et bon gameplay à vous. Allez, tchuss!